Salut à tous, nouvelle vidéo, on est aujourd'hui au Ménuire pour profiter des conditions printanières pour vous apprendre 10 tricks faciles à faire pour bomber le torse entre potes. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'entre vous qui regardaient les vidéos mais qui s'abonnaient pas, donc abonnez-vous, hein Jules. Ouais, c'est vrai, ouais. Promis, ce soir je m'abonne. Allez, on attaque ça avec le premier tricks. Hello everybody, the first trick of Jules, the day. On n'est pas à Whistler là, tu me l'as fait en français. Salut tout le monde, premier trick de la liste, le holly. Alors, le holly ça consiste en quoi? Donc premièrement, on va amener tout son poids du corps sur les tapes. Et une fois qu'on va commencer à voir les spatules avant se lever, il va y avoir un transfert du poids du corps qui va se faire par une extension en poussant sur les genoux, en les montant, pour à la fin se retrouver centré par rapport au ski. Habile, habile. En fait, le fait de mettre tout son poids du corps sur l'arrière du ski, ça va permettre de cintrer les lattes et surtout d'avoir un retour d'appui qui va permettre de décoller. C'est bon ? Bon, ça c'était le holly, on passe au deuxième trick, la pirouette javanaise ou le Mister Woodgit. Ça a l'air compliqué mais c'est plutôt simple. Donc déjà, premièrement, on prend ses bâtons avec les mains sur les poignets, comme ça, pour pouvoir prendre appui. On vient se mettre dans l'axe de pente, on met les deux bâtons sur son côté gauche ou son côté droit. Et on vient monter les talons au-dessus du bassin. On vient venir prendre appui sur les deux spatules. Et ensuite, quand on est sur les deux spatules, on se laisse redescendre, passer les talons de l'autre côté, en gardant bien le poids sur les deux bras, et ça va faire un 360 naturellement. Montre. Ah oui, quand on est dos à la réception, il ne faut pas oublier de mettre un petit coup d'épaule pour lancer la rotation et se retrouver dans le bon sens de la marche. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. Donc le prochain trick sur la liste, c'est le switch. Pour ceux qui savent pas parler anglais, switch ça veut dire quoi? Ça veut dire ski en arrière. On en voit beaucoup sur les pistes, ski en switch, avec les pieds en canard, droit comme un i, qui n'ont aucune visibilité derrière. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Le switch, c'est une position avec un pied décalé par rapport à l'autre. Le pied qui est en avant, c'est le pied qui est à l'intérieur du virage. Le pied qui est en arrière, c'est le pied qui est à l'extérieur du virage. Ensuite, le positionnement des mains, c'est simple. La main droite, si on tourne à droite, elle se pose sur la main, sur le genou droit. Et la main gauche, sur la hanche, avec l'épaule tirée en arrière, qui permet d'avoir une grande visibilité sur tout ce qui se passe en arrière. Ensuite, quand il s'agit de changer de virage, il y a un court moment où on ne va pas voir grand chose. C'est juste le temps de pouvoir décaler ses pieds à l'opposé et se remettre dans la même position en regardant de l'autre côté. Alors le tail press ou le tail slide, en fonction de la région d'où tu viens, c'est une figure qui consiste à d'une part venir mettre tout son poids sur l'arrière du ski, à venir plier ton tail pour faire venir lever tes spatules, et ensuite avec le knoll va y avoir un retour d'appui qui va te permettre de te rééquilibrer et te retrouver à nouveau centré sur ton ski. On n'oublie pas de plier les genoux pour cintrer le talon et mettre un peu de style, bon Dieu. Ah, tu sais qui c'était? Non. Clint Eastwood. Prochain trick, le shifty. Le shifty, c'est un peu comme le twist en ski de boss, sauf sans le balai dans le cul. Donc ce qu'on fait, on arrive au bout du kick, on monte les genoux en faisant faire un 90 degrés à ses skis, et on le garde tout le long à 90 degrés en faisant genre « Ah non, je vais pas repaquer dans l'axe !» Et au dernier moment, on remet les skis dans l'axe pour repaquer dans la pente. C'est un peu comme un whip en motocross, sauf sans les gaz pour ramener la moto dans le bon sens. Attends, on va enlever la GoPro. Ouais, la quoi la GoPro là? Bon là, pour le coup, j'ai un peu trop borioté le shifty, et je l'ai un peu mis dans le dos, donc ça ressemble plus à un grade d'eau. On passe au grab, et on va faire les trois principaux grabs, donc le safety grab, le Japan grab et le mute grab. Ne me demandez pas pourquoi ces trucs sont en anglais, de toute façon on fait pas un sport polonais, donc on va pas essayer de comprendre. Déjà, pour les grabs, et tous les sauts d'ailleurs, on soigne son impulsion, c'est ce qui nous équilibre en l'air. Le safety, c'est la base. On vient attraper son ski droit avec sa main droite ou inversement. Les puristes diront que si tu chopes au niveau de la chaussure, c'est une bottine. Et comme tous les grabs, on essaie de tweaker pour le style si les planètes sont bien alignées. C'est-à-dire tirer dessus comme un boreo pour prendre une position zarbe mais jolie. Le Japan avec son nom absurde consiste à attraper le ski opposé à sa main derrière sa jambe. La clé de la réussite, c'est vraiment de se grouper au max en sortant du kick en mettant les skis légèrement de côté pour faciliter la position inconfortable. Maintenant, le mute grab, c'est le classique.
on vient chercher le ski opposé à sa main en avant de la fixation. Si on anticipe trop le croisement des lattes, ça a point d'allure et la police du style nous tombe sur le dos. Ouais! Donc le butter, c'est un trick assez simple qui est assez cool. Donc l'idée, c'est de faire un ollie 180 en venant charger tout son poids sur l'avant du ski pour venir terminer après sa rotation en glissant sur le nose et en regardant au-dessus de son épaule et en allant chercher la réception. Pour l'apprendre, le plus simple, c'est de venir sur un mouvement de terrain faire un ollie 180 suivi d'un switch 180. Et quand on devient plus à l'aise, on vient chercher un mouvement de terrain pour faire un 180 en venant charger l'avant de ses skis tout en essayant de déraper sur le nose sur le deuxième 180 pour retrouver le sens de la marche. Facile quoi. Butter comme le couteau sur le pain quoi, le beurre quoi, hein. Tu peux nous apprendre Elliot? Ok ouais, donc aujourd'hui chose très importante, aujourd'hui on va apprendre à se relever du téléski. Donc quand vous allez tomber du téléski, vous serez forcément sur le côté. Alors du coup là ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tomber du téléski c'est un trick. Ouais, chez nous en freestyle c'est vu comme un trick vraiment stylé, c'est vraiment bien noté par les juges. Okay. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. .180, c'est la première figure que l'on apprend en freestyle, c'est aussi la plus facile. Elle est facile parce qu'on voit tout le temps la réception. On l'a du regard du début jusqu'à la fin. On doit, sur le saut, respecter évidemment bien le bout du saut, armer les bras dans le sens opposé de la rotation où on veut tourner. Donc si je veux tourner à droite, et ben j'arme les bras à gauche, je lance les bras avec le haut du corps, tout en maintenant une poussée. Et derrière, quand je suis en l'air, la petite rotation que j'ai donnée avec les épaules va me faire tourner le 180. Quand je suis en l'air, je monte un petit peu mes jambes, je ratterris en arrière, sans stress. Je regarde derrière avant de me retourner, je ne me retourne pas tout de suite, je m'équilibre et après je me retourne sans stress. Le switch 180, c'est le même délire sauf en partant en switch. On garde la technique de la fente pour l'élan pour voir quand le kick arrive. On arme les épaules dans le sens opposé de la rotation et on attend bien le bout du kick pour mettre l'impulsion et lancer la rotation. C'est une histoire de timing. Ensuite, on fixe la réception et on pose coolos. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Flo, ouais. Comment on fait un 3-6? Tu lances comme ça super fort. Tu vois si ça tourne ou pas. Comment on fait un 3-6? Premièrement, un 3-6, que ce soit un 3-6, un 180 ou peu importe quel trick on va faire, ce qui est important, c'est la poussée dans le kick. C'est ce qui va nous permettre d'être équilibré en l'air. Si on pousse pas, si on est un peu en arrière ou quoi que ce soit, on va pas y arriver. On va s'aider de ses bras pour armer, pour avoir un petit peu de rotation, pour faire carrément un 360 complet. Donc ça va être poussé, on arme les bras, on pousse, hop, on part d'un bloc avec le haut du corps et aussi on vient gainer les abdos pour que ton haut du corps et ton bas du corps tournent en même temps. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des bons points de repère, c'est-à-dire que quand on va sortir du kick, il va falloir regarder devant et pas par terre. On regarde devant, on sort, on s'aide de ses bras, on gaine, on fait son 180, tac, on regarde le kick un petit coup, et puis derrière, on va chercher la réception au-dessus de son épaule gauche ou au-dessus de son épaule droite, ça dépend si tu tournes à gauche ou si tu tournes à droite. Et on vient chercher la réception, appuie languette pour être bien dans la réception. Enfin, ce qui serait bien, c'est pas fermer les yeux. Parce que si tu fermes les yeux, il y a un moment où tu ne vois plus rien. Et le but, c'est quand même de voir un peu tout le temps. Bon ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 tricks. D'ailleurs, si vous voulez les partager en story Instagram, nous on les repartagera sur notre compte avec Jules. Donc n'hésitez pas. Ça, je serais super content de voir si vous avez bossé un peu vos tricks. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse avec un dernier trick. Le nose press slide du croisé. T'es prêt? Super, super, bonne...